Si l'instant, Jacques Brédal. Alors, notre archive du jour, c'est une vieille dame, en fait. Mais elle est, je pense qu'elle est née vieille, quelque part. Il y a des gens comme ça qui ont l'air, quand ils sont bébés, d'être déjà un peu fripés. Ce que j'aime bien dans celle-là, c'est une archive qui remonte quand même à une quarantaine d'années, vous allez voir. Et c'est une vieille dame indigne. C'est un petit peu dans l'humour de Philippe, ça va très très bien. Vous allez avoir une surprise peut-être. Allez, on découvre ça. C'est dans Striptease ou un truc comme ça. Et puis, alors il y a une question vachement intéressante. Cher Philippe et Mimi, comment va Joël? Et vous, ça va? Oui, merci. Est-ce que Malvira, Poulou et Moka sont aussi bêtes qu'ils le sont? Ah, alors là, c'est mais à vous de répondre. Eh, qu'est-ce que je me prends sur la tronche tout le temps, mon Oh, mais dites-vous, petit... plaignez pas tout le temps. Comment veux-tu que je sois plus intelligente? Avant, j'étais bien, maintenant, je suis toute tordue. Non, mais malgré, je vais vous dire un truc, votre truc, c'est psychosomatique. Vous regardez, vous enlevez le bandage mieux, oui. Et ça va beaucoup mieux. Ah, ben, vous voyez? C'est le bandage qui fait tout. Je suis en pleine forme. Malvira, j'ai quelque chose pour vous aussi. De quoi? Pour le bal masqué de la semaine prochaine. Oui. Regardez, c'est deux tranches de salami. Oui. Vous pouvez vous déguiser en Mickey Mouse. Oh, chouette. Hein? Ah oui. On y croirait. C'est une excellente idée, ça. Et puis, un petit creux vers minuit. Merci, ma chère Arlette. Vous les mangez. Allez, hop. Voilà. Bon appétit. Merci, ma chère Arlette. Et encore une fois, pas de gaspillage. Non. Ce soir, c'est un grand retour, celui d'une dame de la télévision. Comme on les aime, voici Malvira. Bam! Voilà. Tac. Hey. Alors, Malvira, ça va bien? On vous ta gueule. Voilà, ça commence bien, c'est clair. Pour rythmer cette émission, juste derrière moi, les allumettes. Les allumettes, ça vous plaît, ça, hein? Si je gueule comme ça pendant toute l'émission, on va pas m'entendre. Mais si, je vous garantis, on va être très, très vous, attentifs. Ta gueule, vous m'avez toujours pas dit ce que je fous ici. Je vais t'apprendre un truc, blabla. Quoi? Tu vois le type, là? Le type qui est là, Jean-Louis. Oui. Ça doit être moi, alors. Eh ben, je vais t'apprendre. Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, vous, ta gueule. Ah bon, d'accord. Vous, ta gueule. Mais enfin, blabla, s'il vous plaît. Convaincu. Moi, je suis pas habitué à tel vocabulaire. C'est hein. Pas, alors, apprends à cracher, maintenant. Tu vises l'œil gauche. Regarde. Ouais. Ben, moi, je suis un ordinateur. Hein. Je sais faire que semblant, mais je veux bien le faire. Vas-y. Allez-y, là. Ça marche aussi bien. Il y a un mec qui a la main dans ma culotte qui est en train de se faire une crampe vu qu'il est vachement fait... mal installé. C'est les mains. Ta gueule, la boule de latex. Et après le grand retour, voici le très grand retour de Malvira. Bon, moi, j'attendais des applaudissements, mais tant pis. Bienvenue dans Sans Souci, jolie madame. Je vous avais dit qu'elle était mal élevée, mais vraiment, ça va loin. Mais oui, mais je ne me souvenais pas que vous étiez aussi trash, madame. Mais c'est des questions de circonstances, ma petite Joël. Je peux être la plus sympa des femmes, et puis parfois, je sors de mes gongs. Vous n'allez pas me cracher au visage? Non, jamais. Non. Oui, mais quand même, avec le bon Philippe Gueluc, quand il avait encore des cheveux, là, vous n'aviez pas de raison d'être mauvaise, quand même. Il vous faisait apparaître à la télé, là, ça date de quelques années, quand même, oui, déjà, maintenant. Là, ce qu'il ne vous a jamais dit, c'est qu'à l'époque, il n'était pas du tout d'accord que notre productrice, Madame Pauline Hubert, m'intègre dans l'émission. Donc on a commencé, vrai ou pas, Philippe? On a commencé comme ça, dans une sorte d'agressivité qui s'est transformée en amour. Alors d'agressivité, non, mais en tout cas de rivalité. C'est vrai que quand Pauline Hubert avait invité la troupe du Magic Land Théâtre dans cette émission que je commençais à animer, qui s'appelait Lollipop, j'avais vu leur arrivée un petit peu comme un danger pour mon rôle. Et elle comme une concurrente. Et puis donc au début, je l'ai prise un petit peu de loin, de manière, je lui battais un peu froid. Ouais. Il y a aussi un truc physique, il faut s'habituer à votre présence, Malvira, parce que vous êtes plus précise. Bah vous êtes comment dire? Parce que j'ai dit que je ne cracherai pas, bien dit. Je suis émue de vous voir en vrai. Ah. Bon, Philippe avait quand même bien perçu qu'elle allait un jour lui marcher sur la tête, là, sans mauvais jeu de mots. Elle est devenue une vedette à part entière, bien sûr. Malvira, quand même. Mais j'ai aussi ma statue. Nous avons tous les deux notre statue. Ouais, mais contrairement à ce que j'imaginais, en fait, dans ces métiers-là, c'est jamais une concurrence, c'est pas l'un à la place de l'autre, c'est les deux ensemble. Ouais, et c'est évidemment ce qui est devenu évident très très vite, parce qu'au-delà de Malvira que je regarde dans les yeux, je vois le regard de Patrick, qui est différent.
différence, c'est-à-dire que lui, je dois le regarder comme ça, lui. On le rappelle encore une fois, Patrick Chabou est le papa de Malvira. On l'appelle l'homme sous la jupe. Il y a quelqu'un sous la jupe. L'homme sous la jupe. Et c'est pas toujours d'autres personnages, d'autres marionnettes qui sont sous les jupes de Malvira. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement elle est devenue célèbre, même après avoir quitté la télé, Malvira, mais on a maintenant un blog, on a un site web, on pourrait pas imaginer qu'une dame comme toi, un tout. Et puis aussi, on fait les DVD. Oui. Et puis on fait par-dessus le marché maintenant même une BD. Oui. Voilà, là. Oui, oui, oui. Une BD où on raconte ses aventures avec la complicité de Stéphane Dizier. Tout à fait. C'est magnifique, ça. Mais comment on se procure, par exemple, parce que je vois que alors, ce n'est pas une maison d'édition sur mon site, très, très... ça c'est pour éviter les contrôles fiscaux. Ah, et voilà. Donc, pas de facture, rien du tout, ça se fait entre nous, ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On met un petit peu d'argent sur un compte qu'on retrouve d'ailleurs indiqué à toutes les pages du site web. C'est très, très, très bien fait pour alimenter la mécanique. Et on ne peut plus, malheureusement, faire plus. On ne peut pas aller retrouver le monsieur sous la jupe au Magic Land Théâtre, puisque toutes les places sont vendues. Oui, non. Effectivement. Oui, ce qui n'empêche pas de réserver déjà pour la suite. Parce mais que bien sûr, il n'y a pas que Gueuleux au Magic Land. Non, au contraire, il y a une programmation magnifique. Au mois de décembre, il y a l'enjeu qui est mis en scène par Patrick. Avec Malvira. Non. On peut même imaginer, pourquoi pas, que la RTB, qui voudrait redresser son audience, puisque j'ai déjà sauvé une fois le service public, m'engagerait à nouveau. Parce que, si vous réfléchissez, le grand public ne le sait peut-être pas, mais votre directeur s'appelle Monsieur Tron. Hein, c'était quand même curieux pour être une tête. Je pourrais être la tête, les jambes, c'est raté. Lui serait le tronc, on trouve les jambes et on relance le service public. Ma chère Malvira, on fera en sorte que Monsieur Tronc voit cet épisode de nos aventures sans chichi, ça c'est sûr et certain. On a un tout petit mot, peut-être quand même le meilleur souvenir télé de Malvira avec ou sans Philippe Gueluc d'ailleurs. Ah oui, c'est quand je me suis mis à poil. Ah ben voilà, excitation. Voilà. Et vous n'avez pas des images? Ah mais heureusement... Voilà. Ça fait partie des archives qu'on a achetées. Non, j'en ai une avec le cardinal Danels. Avant toutes les affaires qu'on connaît, vous voyez. On l'avait reçu dans une émission... Et je l'avais appelé par son prénom. Tout le monde était paniqué dans la maison en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire à ce pauvre cardinal ?» Et j'ai conclu l'émission en lui disant « J'ai longtemps vécu dans le péché, maintenant j'aimerais bien vivre dans le cerisier. » Ça l'a fait rire. Et donc c'était Malvira, le xème retour à la RTBF. On ne sait jamais. Ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes ses vicissitudes, malgré que la RTBF l'ait laissé tomber pendant des années, elle n'a jamais été tentée d'aller travailler sur RTL. En tout cas, un immense merci Malvira d'être venue jusqu'à nous. Je ne vous embrasse pas, mais si j'étais lesbienne... Vous faites peur quand vous regardez dans les yeux quand même. Je tiens à le dire, c'est un petit peu effrayant. Allez, un grand merci d'être là. J'espère que vous aurez l'occasion, ou le papa, le monsieur, de goûter à ce qui s'annonce. C'est un lapin à la Toscane, cuisiné par Gérald dans l'honneur de Monsieur Gueuluc. Oui, ben voilà. Tiens, ça me fait penser à un autre sketch du chat où il explique que rien ne ressemble autant à une pizza qu'une pizza vomi. C'est très bien aussi. C'est très beau aussi dans les aventures du chat. On va travailler ensemble, petit Philippe. 16e épisode.